Je précise aussi que l'intitulé de la conférence n'est pas tout à fait celui qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc, le bon intitulé, c'est « Comment le psychotraumatisme affecte notre vie sexuelle et affective ». Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure hein, de la webconférence. Et je suis également le fondateur de l'EFPI, l'école de la thérapie intégrative, qui est basée à Strasbourg, en France. Donc, la visée de cette conférence, répondre à des questions du type comment le trauma affecte la qualité de notre vie sexuelle et amoureuse, et puis également pourquoi faut-il mener un travail de fond pour se libérer des séquelles du trauma. Un travail qui devra être à la fois, on le verra, corporel, émotionnel et aussi cognitif. Donc, on va essayer de mettre en lumière les mécanismes qui sous-tendent un certain nombre de réactions et par là même de répondre à des questions simples de ce type. Au moment où je souhaite faire l'amour avec mon partenaire et qu'il s'approche de moi, j'ai un mouvement de retrait involontaire, une tension partout dans le corps. Bientôt, c'est un engourdissement général qui s'installe, une espèce d'absence mentale, puis une perte de désir et d'excitation sexuelle. Donc, on essaiera de voir comment tout ça fonctionne et quels sont les mécanismes qui sous-tendent ce genre de réaction. Notre programme, je vais faire très court. On va commencer par définir un peu ce qu'on entend par trauma. Hein. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un souvenir traumatique par rapport à un souvenir normal? On parlera de ce qu'on appelle parfois les rappels traumatiques, hein, c'est-à-dire des réactions finalement automatiques, des automatismes neurobiologiques qui viennent perturber ma vie, et en particulier ma vie sexuelle. On évoquera l'étendue des traumas. On verra que les traumas ont des impacts neurovégétatifs, mais également sur un plan sensorimoteur, les sensations, les mouvements, sur un plan émotionnel, sur un plan cognitif. Donc, les impacts, finalement, touchent un peu toutes les dimensions de notre être. Et puis, bien sûr, on essaiera de voir quels sont les grands principes de la démarche thérapeutique à adopter pour se libérer des séquelles de ces traumas et retrouver donc une vie sexuelle et affective harmonieuse. Qu'est-ce qu'un trauma d'abord, et en quoi donc un souvenir traumatique est différent d'un souvenir normal? Le trauma, on peut le définir de la façon suivante, c'est un événement, une situation ou une relation. Donc, attention, ça n'est pas toujours un événement comme le pense l'homme de la rue. Hein. Un événement, une relation qui produit un débordement des capacités de traitement de mon système nerveux autonome. Donc, il faut imaginer en quelque sorte une espèce d'entonnoir. Il y a trop d'informations. Et ça déborde à droite, à gauche, ça passe par l'entonnoir, mais de façon parcellaire. On détaillera un peu ces mécanismes. Et donc, il s'ensuit, en tous les cas, un affaiblissement de mes capacités d'apprentissage, donc un affaiblissement de ma capacité à changer, un affaiblissement de ma capacité à suivre une psychothérapie, bien évidemment. Et donc, et aussi des déséquilibres sur un plan physique et psychologique. Parfois, ils vont devenir chroniques, parfois, ils vont s'activer seulement dans certaines situations. Les traumas sont à la source de la plupart des troubles physiques, des troubles psychiques, des difficultés d'adaptation à la vie quotidienne. Alors, vous allez me dire, n'est-ce pas un peu excessif ? Oui, c'est une conviction, mais en même temps, on a aujourd'hui des études très robustes, l'étude ACE notamment pour Adverse Childhood Experiences, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui montre que les traumas infantiles augmentent considérablement la probabilité de développer des troubles psychiques et physiques à l'âge adulte. Il y a différentes catégories de traumas. hein, donc c'est important quand même de les distinguer pour savoir un peu de quoi on parle. Il y a des traumas simples, un trauma qu'on pourrait qualifier également d'événementiel, une agression. Il y a aussi, et surtout peut-être, parce que leur impact est très important, des traumas dits complexes. C'est-à-dire que là, on a affaire à une répétition d'événements traumatiques ou à une situation durable. Je subis un parent dysfonctionnel pendant 15 ans de ma vie, c'est un trauma. Il peut s'agir d'abus ou de négligence. C'est-à-dire que le trauma, ça n'est pas seulement des coups, par exemple, c'est aussi des défauts d'apprentissage, des carences de soins physiques et affectifs. Hein. En particulier le manque affectif, j'ai coutume de dire que ça fait autant de mal que les coups. Les traumas périnataux, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans la vie fœtale, la naissance, les premiers jours de la vie. Et puis enfin, les traumas transgénérationnels peuvent être transmis culturellement pour certains, épigénétiquement pour d'autres, par les ascendants. Épigénétiquement, c'est l'impact de l'environnement sur la façon dont nos gènes s'expriment. On a aussi aujourd'hui des preuves très sérieuses hein, de la transmission épigénétique, des effets de la Shoah, par exemple, hein, du viol, de la dépression, de différentes catégories de traumas. Donc, commençons par le souvenir normal. Le mot-clé, finalement, pour définir ce qu'est un souvenir normal, eh c'est intégration. Vous voyez cet exemple, la rencontre d'un jeune homme et d'une jeune femme, et cette rencontre suscite un ensemble de stimuli hein, qui pénètrent en moi et qui vont être mémorisés. Alors déjà, il est bon d'avoir en tête que c'est une gamme d'informations très étendue qui est enregistrée. La situation, le lieu, le jour, le protagoniste par exemple, et puis un ensemble d'informations sensorielles. Les informations dites extéroceptives, c'est-à-dire qui sont liées aux 5 sens, la vue, le toucher, etc. Donc il y aura une température, le soleil sur la peau, l'odeur de la végétation, l'odeur de la transpiration, la sensation de la peau de l'autre par exemple. Et aussi des sensations interoceptives. On va voir que ça a une grande importance pour comprendre les séquelles des traumas. Donc, est enregistrée en moi aussi toute mon activité physiologique, ma température corporelle à ce moment-là, ma fréquence cardiaque, la sensation d'avoir trop mangé, une excitation sexuelle. Tout ça est aussi mémorisé dans une mémoire qui, celle-là, est inconsciente, mais qui est bel et bien là. Des informations également proprioceptives et motrices, hein, mon tonus musculaire, la position de mon corps, le mouvement d'ouverture à l'égard de l'autre, des émotions bien sûr, exaltation, sentiment de sécurité, et puis aussi des informations cognitives qui vont être mémorisées. Je suis bien avec lui, j'espère que notre relation va se poursuivre, est-ce qu'il va m'inviter chez lui, par exemple. Donc vous voyez que la gamme des informations mémorisées est très large, sensorimotrice, émotionnelle, cognitive, neurovégétative. Neurovégétatif, hein, ça signifie en lien avec le système nerveux autonome, celui qui gère toutes les fonctions un peu automatiques hein, dans mon corps, la fréquence cardiaque, température corporelle, etc. Donc, le souvenir normal, là, ses spécificités, c'est que l'information forme une synthèse. Vous voyez, toutes les données sensorimotrices, émotionnelles, cognitives, bah, tout ça, ça forme un tout. Hein. Donc, mon cerveau peut donner un sens à ce souvenir. Il arrive à lire, à donner du sens à l'image qu'on voyait tout à l'heure sous la forme d'un puzzle. Toutes les pièces sont au bon endroit. Donc l'information est cohérente, hein. L'information est plastique, le souvenir est plastique, malléable si vous voulez. Ça signifie qu'il va évoluer dans le temps en fonction de mes expériences ultérieures. Et c'est normal. Et puis enfin, temporalisation, le souvenir est correctement positionné dans le temps. En l'occurrence, le passé. Le souvenir traumatique, ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, le mot-clé, on pourrait dire que c'est dissociation. On va voir ce que ça signifie. Les spécificités du souvenir traumatique, déjà, c'est que parfois, assez souvent, une grande partie de l'information est enregistrée dans une mémoire inconsciente. C'est vrai du souvenir normal, hein, attention. Mais c'est encore plus vrai, sans doute, de certains souvenirs traumatiques. Donc, dans une mémoire inconsciente et qui est de nature, en grande partie, corporelle et émotionnelle. Donc déjà, ça laisse penser qu'avec une approche thérapeutique qui se focalise sur des phénomènes cognitifs, la pensée, et sur des phénomènes conscients, on peut avoir quelques difficultés à aller chercher le souvenir traumatique, la mémoire traumatique pour la transformer puisqu'elle est inconsciente. L'information est fragmentée. Finalement, les pièces du puzzle que vous avez vues tout à l'heure, eh bien, elles sont dispersées un peu dans tous les sens. Et mon cerveau, du coup, n'arrive plus à donner de sens à ce souvenir. Il peut y avoir même incohérence de l'information, hein, c'est-à-dire que des informations sensorielles plaisantes vont de pair avec des informations émotionnelles très douloureuses, par exemple. Cette fois, ce souvenir traumatique, il est figé, il est rigide, il n'est plus réactualisé au fil de mes expériences ultérieures. Donc, c'est un peu comme si mon souvenir, mon cerveau, pardon, pensait que l'expérience traumatique était toujours présente. Et donc, il va me maintenir, par exemple, dans la peur, puisque ce souvenir est figé, en quelque sorte. La mémoire est altérée. Il y a certains morceaux du puzzle ou certaines informations qui n'ont pas pu faire leur chemin à travers cet entonnoir. Donc, la formation peut être partielle et une partie de l'information peut être aussi frappée d'amnésie, comme c'est le cas dans beaucoup de traumas. Et puis, enfin, détemporalisation, ben, ça veut dire que le souvenir n'est pas nécessairement correctement positionné dans le temps. Beaucoup de personnes traumatisées rapportent que entre 10 et 12 ans ou avant l'âge de 12 ans, je ne me souviens d'à peu près rien. Mais c'est quelque chose d'assez classique. L'amnésie va de pair souvent avec le trauma. Donc maintenant, on va voir quels sont les mécanismes physiologiques de défense donc face à une menace. Et on verra que ces mécanismes expliquent finalement que les réactions soient parfois très différentes, que certains sont traumatisés par une expérience douloureuse et d'autres pas, par la même expérience. Hein. Et on verra aussi qu'il y a différents profils de personnes traumatisées. Donc, nos réactions face à une menace, une expérience douloureuse par exemple, sont gouvernées par le système nerveux autonome. Donc, c'est la partie du système nerveux hein, qui gère, sans notre concours conscient, beaucoup de fonctions qui nous permettent de nous adapter aux situations. Rythme cardiaque, pression artérielle, tonus musculaire, digestion, etc. Donc, ce système nerveux autonome, il réagit à la menace, d'une part en fonction de notre biologie, bien sûr, mais surtout en fonction de nos expériences passées, et notamment de nos traumas, de tout ce que nous avons appris ou que nous n'avons pas appris. Si le système nerveux autonome est amené à répondre tout le temps dans le même sens, eh bien, ça va produire ultérieurement une tendance à réagir un peu toujours dans le même sens. Donc, les tendances du système nerveux autonome, hein, SNA pour système nerveux autonome, amènent à distinguer très schématiquement deux profils. C'est bien sûr caricatural, hein, c'est une simplification, mais deux profils quand même qu'on va retrouver chez les personnes traumatisées. Donc, premier profil, le bonhomme en haut, là, qui a l'air fâché, un profil qu'on peut qualifier de hyperréactivité. Donc là, mon système nerveux autonome, il est dominé par l'activation du système sympathique, c'est l'accélérateur, hein, celui qui me met dans un état d'hypervigilance, de tension, de grande énergie. On déterra ça un petit peu tout à l'heure. C'est l'état dans lequel se trouve une personne juste avant de faire un burn-out. Son sympathique est hyperactif, elle a beaucoup d'énergie, il y a un afflux d'énergie, de sucre, d'oxygène pour faire face à la menace. Et puis il y a un autre profil, ça paraît étrange, puisque c'est l'opposé. Il y a un autre profil, le profil qu'on pourrait qualifier d'effondrement, d'engourdissement. Là, le système nerveux autonome est dominé par le nerf vague dorsal. Le dorsal, c'est le frein. Ben, c'est finalement l'état dans lequel se trouve une personne qui est entrée dans un état de burn-out. Donc avant, elle était en hyperactivation sympathique. Ses ressources, son énergie, ses neurotransmetteurs sont maintenant dans un état d'épuisement. C'est comme un disjoncteur finalement qui s'est déclenché. Pourquoi il s'est déclenché? Ben parce que l'état d'épuisement ne pouvait pas aller plus loin. La personne risquait un AVC, un accident cardiaque, hein. Donc, le frein s'est déclenché et une fois que le frein est très actif, ben, la personne se retrouve dans un état qui fait penser à un ours en état d'hibernation. Donc, le système nerveux sympathique, le système nerveux autonome, pardon, je vous ai fait une représentation très simplifiée. À gauche, le sympathique, c'est l'accélérateur. Il apporte de l'énergie et il me met en mode fuite ou combat. Pour ça, il faut de l'énergie. Et puis à gauche, dans le système parasympathique, vous avez le nerf vague dorsal. Lui, c'est le frein. Sa fonction, c'est de mettre mon organisme en mode survie. Donc, ça produit complètement l'opposé. On va prendre un exemple, et là, vous allez comprendre pourquoi il y a des réactions très différentes et ensuite des profils de personnes traumatisées très différents. Donc, l'exemple, deux personnes, l'une de 13 ans, l'autre de 4 ans, et qui sont confrontées à la même menace, un père agressif. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on commence à gauche avec Alexandre. Dans son enfance, il a 13 ans, un père violent. Il parvient à 13 ans, parce qu'il a un petit peu de force physique, hein. Il parvient à se défendre en utilisant sa force, il répond aux agressions, il fugue. Son système nerveux autonome donc réagit par une activation du sympathique pour apporter précisément cette énergie nécessaire au combat ou à la fuite. Donc, ça va se traduire concrètement par une augmentation de la fréquence cardiaque, du tonus musculaire, de la température corporelle, du cortisol, tout ça pour apporter de l'énergie. Alexandre, toujours maintenant, il a 40 ans, en bas à gauche, hein, et il présente un profil hyperréactivité. Il connaît peut-être des intrusions, des flashbacks, vous voyez, des morceaux du film de l'expérience traumatique comme ça qui font irruption dans son quotidien. Ça peut être des images ou toute autre sensation, pensée ou émotion, à vrai dire. Son métabolisme est en sur-régime. Il roule en seconde sur l'autoroute. Donc, il peut se passer des choses fâcheuses, parce que finalement, c'est un vieillissement prématuré que subit mon corps dans cet état. Son tonus musculaire est excessif, il est hypervigilant, il pense qu'il y a des menaces partout dans l'environnement. Et généralement, ces gens-là aussi ont une hyperactivité cognitive, hein. Il y a des pensées qui se bousculent en permanence dans la tête. Maintenant, à 40 ans, Alexandre, eh bien, il y a de bonnes chances que, puisqu'il est traumatisé, je vous le rappelle, il y a de bonnes chances que chaque fois que son système nerveux autonome ressente une menace, il entre à nouveau en hyperactivation sympathique. Et ça va être sa tendance. Maintenant, en haut à droite, on a, je ne vois plus son, je n'arrive pas à lire son prénom, mais ce n'est pas très grave. Je ne sais pas pourquoi, une petite difficulté de... Je ne vois plus mon curseur. Bon, c'est pas très grave. Donc, il a 3 ans, si ma mémoire est bonne, ce jeune homme. Ah oui, Solven. Père violent lui aussi, mais il a 3 ou 4 ans. Donc là, c'est très différent. Qu'est-ce qui est différent? Ben, il n'a aucune solution de fuite ou de combat. Il est dans l'impuissance totale. Donc, il y a un autre mécanisme qui intervient lorsque le système nerveux autonome, je vous rappelle que tout ça se fait tout seul, c'est totalement inconscient, hein, ça relève de ce qu'on appelle la neuroception, c'est-à-dire une forme de perception inconsciente. Donc, lorsqu'il y a un ressenti de menace vitale, cette fois, c'est le frein, le nerf vague dorsal qui va s'activer. Et là, qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, ce qu'on appelle parfois une immobilisation défensive. Donc, le système nerveux autonome se place dans un état de survie, d'économie d'énergie. Pour économiser l'énergie, eh bien, il ralentit toutes mes fonctions, finalement. Donc, il va y avoir une diminution de la fréquence cardiaque, qui peut être très subite, d'ailleurs, hein, du tonus musculaire, de la température corporelle. Là, c'est l'état de ces personnes qui sont entrées dans un état de burn-out. Et puis, sur la droite, je vous ai mis une expression un petit peu technique, désafférentation corticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire finalement que ce mécanisme de protection consiste aussi dans une rupture de la communication entre, très schématiquement, le cerveau et le corps, entre les aires corticales et sous-corticales. Qu'est-ce que ça produit concrètement? Eh bien, la personne est comme anesthésiée sur un plan sensoriel et sur un plan émotionnel. Elle libère des opioïdes endogènes. Donc, finalement, elle est coupée de son corps, elle est anesthésiée, ça fera beaucoup moins mal. Vous voyez l'intérêt de ce mécanisme sur le plan de la survie, sur le plan de l'évolution. Une gazelle, lorsqu'on la voit dans la gueule d'un lion, hein, elle n'est pas encore morte parfois, et on voit que son corps est complètement mou, eh bien c'est l'effet justement de cette désafférentation corticale, l'effet de tous ces mécanismes physiologiques de protection. Hein, ça a complètement son sens. Lorsqu'elle sera mise à mort par le lion, elle souffrira moins. Nous sommes en bas, Solven, en bas à droite, 40 ans maintenant, présente un profil effondrement post-traumatique. Peut-être que c'est devenu chronique hein, depuis ces 3 ou 4 ans, peut-être que cet état est devenu chronique, ou peut-être que cet état se déclenche chaque fois qu'elle est confrontée à nouveau à une menace qui est perçue comme vitale par son système nerveux autonome. Les 2 cas de figure existent. Donc là, on a affaire à quelqu'un dont le métabolisme est plutôt en sous-régime, avec un faible niveau d'énergie physique et mentale, hein, parce que les processus cognitifs sont aussi très affectés, un tonus musculaire plutôt faible et une hypoactivité cognitive. Donc cette personne, Solven, lorsqu'elle ressent une menace à 40 ans, eh bien, il y a de bonnes chances qu'elle entre à nouveau dans cet état d'hyperactivation dorsale, dans cet état d'effondrement. Mais vous allez me dire pourquoi, face à une menace, face à un événement ou une relation douloureuse, pourquoi dans certains cas y a-t-il traumatisation et pas finalement, c'est vrai que c'est un peu mystérieux. Si je prends un événement qui a marqué l'actualité et les intéressés encore plus, l'attentat de Nice, eh bien, on observera que certaines personnes aujourd'hui ne sortent presque plus de chez elles du fait de leur trauma, alors que d'autres ont continué à mener leur vie normalement ou presque. Donc pourquoi? En tous les cas, qu'est-ce qui fait la différence sur un plan physiologique? Qu'est-ce qui a fait la différence lorsque les personnes ont été confrontées à cet événement? Sur la gauche, là, vous avez situation, relation ou événement douloureux. Et puis, en haut, vous avez le traitement cérébral de l'information. Donc, premier cas de figure, en haut, vous voyez que l'information qui est traitée normalement, eh bien, c'est un traitement qui est cognitif, les pensées, les croyances, qui est sensoriel et moteur, et qui est émotionnel. Ça, c'est le traitement normal d'une expérience. Et vous voyez aussi que l'information circule en quelque sorte entre les différents niveaux de traitement de l'information. Donc, toutes les aires cérébrales qui doivent l'être sont conjointement activées, coordonnées pour traiter cette expérience. Eh bien là, il n'y aura pas de traumatisation. Maintenant, au centre, vous avez un autre cas de figure. Vous voyez que le cognitif est très actif, les pensées, ben, peut-être par exemple parce que la personne concernée était au moment de l'expérience douloureuse en recherche de solutions. Comment est-ce que je vais avoir le dessus? Comment est-ce que je vais m'enfuir? Comment est-ce que je vais parer ce coup, par exemple? Donc là, le cortex, hein, qui traite l'information cognitive, la partie la plus externe du cerveau, le cortex est très actif et par contre, les aires impliquées dans le traitement sensorimoteur et émotionnel, elles sont légèrement désactivées. Donc, il y a un traitement dysfonctionnel cette fois de l'information à dominance corticale. Qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, très probablement un profil hyperréactivité. Donc, cette personne avec ce système sympathique très, très, très dominant, très actif. Et puis, l'autre profil, en bas, c'est l'opposé. Vous voyez que le traitement cognitif est là très, très affaibli. Le traitement, il est essentiellement sensoriel, moteur, émotionnel. Et là, ça va produire le profil effondrement avec un nerf vague dorsal dominant. Donc, trauma finalement égale traitement anormal de l'ensemble des informations issues de l'expérience douloureuse. Donc, c'est très important parce que ça nous donne des voies thérapeutiques. On se dit, ah bon, d'accord, alors si ça fonctionne comme ça, probablement faut-il d'une façon ou d'une autre essayer de restaurer cette communication entre les aires cognitives, sensorimotrices, émotionnelles. Eh bien oui, sans doute. On a évoqué la question des rappels traumatiques, c'est-à-dire le fait que, confronté à certaines situations, je vais réagir avec des automatismes lorsque je suis traumatisé. Des automatismes de pensée, d'émotions, des sensations, des comportements. Et ces automatismes, eh bien, il y a de bonnes chances qu'ils perturbent ma vie, et en particulier ma vie sexuelle et affective. Donc, on va voir un petit peu quels sont les... Comment ça fonctionne, cette affaire. On va aller directement au schéma pour voir comment ça marche. Donc, sur la gauche, vous avez le passé, l'enfance, et puis tout à l'heure, on verra sur la droite le présent, à l'âge adulte. Donc, à gauche, le trauma en question, eh bien, là, c'est un exemple, un abus paternel. Donc, il y a des dévalorisations de la part de mon père, des sarcasmes répétés, et il me menace constamment de violence physique. Donc, qu'est-ce qui est mémorisé dans le réseau neuronal traumatique? Alors, ce qui mémorise, c'est le corps tout entier, hein. Enfin, disons-le comme ça, le réseau neuronal traumatique. ben, y a du cognitif, comme on l'a évoqué, par exemple, il me déteste, j'ai dû faire quelque chose de mal, un sentiment de confusion mentale, d'absence, peut-être, c'est un exemple. Sur un plan émotionnel, j'ai honte, puisque je me dis justement que j'ai dû faire quelque chose de mal, j'ai peur, puisqu'il y a des menaces, et puis il y a une espèce d'anesthésie, comme on l'évoquait précédemment. Hein. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui réagit à la menace, parce que c'est un enfant, avec une activation du frein, le profil effondrement. Sur un plan sensorimoteur, c'est là que ça devient intéressant. Ce père parle à son enfant avec une voix douce et il lui susurre des insultes. Vous voyez, il est une forme de sadisme. Hein. L'enfant ressent, mémorise une odeur de transpiration de son père, une odeur d'huile de friture, une lumière blanche. Il a un mouvement défensif de retrait lorsque son père s'approche. Hein, ça, c'est quelque chose de moteur. Et puis, cette sensation bientôt d'engourdissement général qui l'envahit, une espèce d'anesthésie sensorielle et émotionnelle. Diminution de la fréquence cardiaque, perte de tonus musculaire, libération d'opioïdes endogènes, voilà, tout ça, c'est l'effet de l'activation du vague dorsal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans mon présent? Et là, on va comprendre la source de ces automatismes. Imaginons, à droite cette fois, donc, cette situation, une relation sexuelle, c'est un déclencheur. Donc, un déclencheur, c'est un stimulus ou des stimuli, vous voyez, des odeurs, des pensées, des sensations sensorimotrices, émotionnelles ou cognitives, qui présentent une parenté avec des aspects de l'expérience traumatique et qui vont réactiver l'expérience traumatique. Donc là, nous sommes dans le présent. Les stimuli et les réactions, qu'est-ce que c'est? C'est un exemple. Donc, mon conjoint, je suis une femme, mon conjoint est en demande d'une relation sexuelle. Il susurre à l'oreille de sa femme. Il y a une odeur de transpiration et peut-être une lumière blanche dans la pièce. Voilà. C'est tout ça, mais ça pourrait être un seul de ces stimuli. Hein. C'est tout ça qui va en quelque sorte allumer le réseau traumatique et produire potentiellement des pensées, des émotions, des sensations, des actions motrices automatiques. Finalement, c'est une espèce de répétition altérée de l'expérience traumatique. Donc, bah, les réactions physiologiques, on va avoir la même chose que ce qui s'était produit potentiellement dans l'enfance, une activation du vague dorsal, un effondrement, diminution de la fréquence cardiaque, perte de tonus musculaire, etc. Donc, des mécanismes physiologiques proches de ceux qui étaient présents au moment de l'expérience traumatique. Et puis en bas, concrètement, l'expérience que va faire cette personne, eh bien, pourtant, il ne s'agit que de son conjoint qui est quelqu'un de sympathique et qui s'approche, ça peut susciter de l'anxiété, bien qu'il y ait éventuellement à la base un désir chez cette personne de faire l'amour, hein, mais ça peut néanmoins déclencher de l'anxiété, un mouvement involontaire de retrait, lorsque le conjoint s'approche, et puis un engourdissement général, plus d'énergie, un sentiment de confusion mentale, d'absence, je suis comme anesthésié, et pas ou plus de désir, d'excitation sexuelle et de plaisir s'il y a relation sexuelle. La mauvaise nouvelle, si j'ose dire, c'est que chaque fois que ces déclenchements se produisent, chaque fois que des stimuli dans mon présent viennent réactiver les réseaux traumatiques, eh bien, le trauma se renforce. Donc, au fil de ma vie, le plus souvent, hein, les séquelles post-traumatiques, ça va monter en flèche, progressivement. Mais il est bien rare, en tous les cas, que ça s'évanouisse spontanément. L'étendue des effets du trauma, bah, je vais faire court, hein, tous les aspects de mon être. Le trauma va déboucher potentiellement sur des tendances en termes de perception. Je vais demander à la personne qui a laissé son micro ouvert de bien vouloir le fermer, parce que là, j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Si je dois m'entendre parler et entendre en même temps une autre voix, c'est difficile. Donc, merci de bien vouloir fermer vos micros. Le trauma va produire des tendances sur le plan même de la perception. Hein, mon système nerveux autonome va privilégier dans l'environnement tous les stimuli qui potentiellement présentent un lien avec le trauma d'origine. Vous voyez, donc, on observe une espèce de réduction du champ de la conscience, hein, sous l'effet du trauma. Tendance neurovégétative, on l'a évoqué tout à l'heure. Par exemple, je vais rester en permanence dans un état de peur, ou entrer très vite dans un état de peur et m'y maintenir longtemps, et bien d'autres phénomènes physiologiques encore, des tendances en termes de sociabilisation. On peut avoir affaire, là dans mon exemple, c'est un trauma complexe, une mère très autoritaire et dévalorisante. Bien, ça peut déboucher à l'âge adulte, chez la personne traumatisée, sur une minimisation des besoins en termes d'attachement. Et je vais avoir tendance à dire, oui, bah, finalement, les relations avec les autres, ce n'est pas très important. Je vais avoir tendance parfois à peu m'investir dans les relations. Je peux avoir assez peu de réceptivité aux émotions d'autrui, peu d'expression émotionnelle. Voilà, donc un ensemble de conséquences sur le plan de la sociabilisation, des tendances sensorimotrices aussi, qui peuvent se maintenir, avec pour conséquence potentielle peu de libido, peu de plaisir. Hein. Quand je suis coupé de mon corps, ce qui est potentiellement l'un des effets des traumas, ben, on imagine bien que ça va avoir... des répercussions importantes sur la libido et la capacité au plaisir. Tendance sur un plan émotionnel, eh bien, par exemple, avec une mère très autoritaire, dévalorisante, on va observer assez souvent un émoussement émotionnel ou une forme de répression émotionnelle. Donc, ça va polluer, bien évidemment, la relation avec mon partenaire amoureux ou mon partenaire de vie. L'alexithymie, phénomène assez classique aussi, c'est-à-dire l'alexithymie, c'est le manque de vocabulaire pour qualifier mon monde intérieur et mes émotions en particulier. Donc évidemment, si j'ai du mal à verbaliser mes émotions et mes sensations, là encore, comment créer de l'intimité avec l'autre? L'intimité, l'amitié, l'amour, ça repose très largement sur la capacité à... prendre le risque, parce que c'est toujours un petit risque, hein, de partager mes émotions. Oui, mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas en contact avec mes émotions et je ne sais pas les qualifier. Et puis enfin, mais je ne m'étendrai pas là non plus, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de l'étendue des conséquences. Il y a des tendances cognitives avec, par exemple, une tendance de la personne à développer des croyances limitantes. J'ai moins de valeur que les autres, je ne mérite pas l'amour des autres. Une tendance aussi souvent à avoir des opinions un peu manichéennes, c'est-à-dire avoir la vie en noir ou en blanc, parce que c'est un peu rassurant. Faire face à la complexité de la vie, c'est beaucoup plus anxiogène. Et ces gens ont pour caractéristique, hein, une personne traumatisée, de vivre peu ou prou dans la peur. Et ça va jusqu'à une altération du sens de soi. C'est-à-dire que comme je suis coupé de mon corps dans certains cas, eh bien, j'ai moins conscience d'exister et j'ai moins conscience de ce qui fait ma singularité. Donc, le trauma a aussi des conséquences sur un plan cognitif et sur le plan identitaire, on peut le dire comme ça. Les grands principes maintenant de la démarche thérapeutique. pour se libérer donc des séquelles traumatiques. On va balayer ça dans le détail, évidemment, puisqu'il faudrait des semaines, hein. Mais on va voir quand même quelques grands principes importants. Quelques objectifs qui me paraissent majeurs, et puis des exemples d'interventions thérapeutiques. Je vais essayer de vous donner des exemples aussi concrets que possible. Donc, premier objectif, quand on s'occupe du traitement du trauma, créer chez le patient, restaurer un sentiment de sécurité et réduire les symptômes. Pourquoi c'est l'objectif majeur? Parce que tant qu'on n'a pas ça, on n'a rien d'autre. Aucune intervention thérapeutique, quelle que soit l'approche thérapeutique, hein, ne peut être vraiment opérante tant que le système nerveux du patient se maintient dans un état défensif ou dans un état de mobilisation sympathique avec beaucoup d'énergie ou dans un état d'immobilisation défensive. Dans tous les cas, mes capacités d'apprentissage, donc ma capacité au changement, ma capacité à tirer profit d'une psychothérapie, sont très altérées. Donc, tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas un système nerveux autonome qui est un tant soit peu revenu à l'équilibre, on n'a rien. On n'aura pas d'évolution du patient. Réduction des symptômes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord éteindre l'incendie. Mon patient n'est pas en capacité à mener avec moi une recherche des causes, d'être dans l'interprétation, l'historique détaillé. D'abord, il faut réduire les symptômes, l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, hein, c'est la priorité, en rééduquant le système nerveux autonome pour le ramener à l'équilibre. En quelque sorte, on fait de l'agriculture, hein, et si on fait bien de l'agriculture, on sait qu'on ne peut pas commencer par semer. Il va falloir, dans certains cas, enlever les gros cailloux, labourer la terre, amender le sol, voilà, autrement dit, travailler avec les lois de la nature. Donc, d'abord éteindre l'incendie. Mais la bonne nouvelle pour le patient, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir tout compris pour éteindre l'incendie. On n'a pas besoin d'avoir cerné tous les schémas cognitifs du patient, ses troubles de la personnalité ou que sais-je, et d'avoir tout compris, d'avoir compris les sources. On éteint l'incendie et ensuite, le patient a retrouvé davantage de capacités d'apprentissage. Donc, concrètement, comment on fait ça? Je vous ai mis quelques exemples. Des pratiques corporelles quotidiennes pour activer le nerf vague ventral. Dans le système nerveux autonome, c'est le régulateur. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait un accélérateur, un frein. J'ai simplifié, il y a aussi un régulateur, hein. Quand il a un bon niveau d'activité, les deux autres, l'accélérateur et le frein, vont intervenir en fonction des besoins. Parce que quand je joue au foot ou quand je fais l'amour, ce n'est pas les mêmes besoins, hein, physiologiques. Donc, on fait ça notamment par l'activation des muscles oculomoteurs, hein, par des mouvements oculaires, par l'activation des muscles rotateurs de la tête. Ça ne sont que des exemples. Là, le principe, en fait, c'est d'agir sur des zones du corps qui sont fonctionnellement liées au nerf vague ventral. Donc, le nerf vague ventral, par exemple, il est fonctionnellement lié aux muscles rotateurs, aux muscles oculomoteurs. Si je les active d'une certaine façon, eh bien, j'envoie des informations afférentes au nerf vague ventral et ça va l'activer. Et quand ça va l'activer, eh bien, la personne va retrouver davantage de lucidité, de calme. Ça va améliorer très vite son état émotionnel, sa santé et aussi son engagement social d'ailleurs, hein, son désir et son plaisir le plaisir qu'elle peut éventuellement trouver, aller vers les autres. Donc, avec ça, on éteint l'incendie. On peut aussi éteindre l'incendie avec des stimulations de points de terminaison méridien. Peut-être que certains d'entre vous connaissent l'EFT, ou je crois qu'en Amérique du Nord, on appelle ça le tapping parfois. Donc, des stimulations de certains points, le point clavicule, par exemple, hein, qui apaise justement le système nerveux autonome, disons-le comme ça, des pratiques quotidiennes d'exercice respiratoire qui, attention, doivent être adaptées au profil du patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai affaire à quelqu'un qui a un profil hyper-réactivité, sympathique, hyperactif, par exemple, je vais lui faire généralement des expirations très longues, très profondes, actives, conscientes, parce que ça apaise le système sympathique, ça apaise le frein. Je vais lui faire faire une apnée poumon plein parce que ça exerce aussi cet effet-là. Donc, ce sera un tout autre type de respiration que l'on va faire pratiquer à une personne qui a un profil effondrement, radicalement différent. Vous voyez, une personne qui a un profil hyper réactif, hein, si vous lui faites faire des grandes inspirations, vous voyez, allez respirer, monsieur, c'est totalement contre-productif, par exemple. Deuxième objectif, les déclencheurs, là, le déclenchement d'automatismes neurobiologiques qu'on évoquait tout à l'heure, il faut très vite s'en occuper dans le cours de la thérapie. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai évoqué, je crois, chaque fois que ces déclenchements se produisent, ils réactivent les réseaux traumatiques. Et un réseau neuronal, hein, globalement, traumatique ou pas, ça se renforce avec la répétition des activations. Donc, il faut très vite mettre fin à ce renforcement des réseaux traumatiques, qui va de pair d'ailleurs aussi avec un renforcement du déséquilibre du système nerveux autonome au passage. Donc, il y a derrière ces déclenchements des apprentissages négatifs auxquels il faut mettre fin le plus rapidement possible. Donc, on va chercher à améliorer le quotidien du patient hein, en lui donnant les moyens de faire face à ses reviviscences traumatiques, pas tellement entre nous pour les éviter, parce que ces personnes sont dans l'évitement, hein. Elles vivent dans la peur des pensées, des émotions et des sensations qui sont dérivées du trauma. Donc, il ne faut pas leur tendre une perche pour qu'ils les évitent encore plus. Il faut qu'ils pratiquent quelque chose qui va renforcer, au contraire, l'intégration des éléments sensorimoteurs, émotionnels ou cognitifs qui ne sont pas passés à travers l'entonnoir, qui n'ont pas été correctement traités. Donc, exemple d'intervention thérapeutique, eh bien, on peut apprendre à un patient, mais lui apprendre sérieusement, dans le détail, hein, à pratiquer de l'EFT, technique de libération émotionnelle, et l'inviter ensuite, dans son quotidien, à l'utiliser le plus souvent possible sur toutes les pensées, émotions, sensations déstabilisantes. Et petit à petit, il y a de bonnes chances que ça lui apprenne à rester dans la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire à rester à ce niveau d'activation du système nerveux autonome qui permet justement une bonne intégration, un bon apprentissage. Donc, à tout point de vue, c'est très, très bénéfique d'apprendre des techniques de libération émotionnelle aux patients pour qu'ils les utilisent systématiquement chaque fois qu'ils sentent qu'ils commencent à être déclenchés. Objectif suivant, renforcer les capacités d'intégration. Donc, renforcer, ce sont plus des grandes phases hein, dans une thérapie. Une fois qu'on a fait ce qu'on a évoqué précédemment, eh bien, on peut commencer à restaurer donc, la capacité du cerveau à traiter l'information dans toutes ses dimensions, sensorimotrices, émotionnelles, cognitives, de façon globale et coordonnée. Donc là, c'est un peu plus subtil. On va agir selon le profil du sujet, plutôt hyper-réactif ou plutôt profil effondrement, avec des interventions soit ascendantes, soit descendantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Une intervention ascendante, ça consiste à mener une action au niveau sensoriel et moteur, éventuellement un peu émotionnel aussi, avec pour objectif de réguler les cognitions. Exemple, je respire, je relâche, je contracte mes muscles, puis je les relâche. Je sens une chaleur dans mon ventre. Et à ce moment-là, le thérapeute me demande, alors, qu'est-ce que vous vous dites à propos de vous, à propos de lui, à propos de votre vie, à propos des hommes en général. Vous voyez, donc ça, c'est ascendant, parce qu'on part du corps, du sensorimoteur, pour susciter des connexions, des cognitions, pardon. Donc, ce faisant, on rétablit cet axe, cette voie de communication entre les aires tout corticales et les aires corticales. C'est un principe général, hein, mais qui trouve des applications cliniques tout à fait concrètes, ceci dit. Intervention descendante, maintenant, c'est le contraire, hein. Le point d'entrée dans l'intervention thérapeutique, c'est la cognition. Là, l'attention est plutôt centrée sur l'assignation de sens, la compréhension, pour tenter de réguler l'expérience sensorimotrice et émotionnelle. Donc, on part d'une cognition, d'une pensée, et puis on voit ce que ça produit dans le corps. Donc, exemple, le patient se fait les réflexions suivantes, je me dis que je suis un raté, je comprends que cette pensée est liée au comportement de ma mère, qui était très humiliante, on est dans du cognitif, d'accord? Et quand vous pensez à ça, qu'est-ce que vous ressentez? D'accord? Et dans le ventre, et dans le diaphragme, et au niveau de la fréquence cardiaque, est-ce qu'il y a des sensations de température? Des frissons sur la peau? Est-ce que la bouche est sèche? Est-ce qu'il y a une émotion, de la tristesse? Ah oui, j'ai la gorge nouée, j'ai mal au ventre. Donc, vous voyez, on part là du cognitif, des pensées, pour observer ce qui se passe dans le corps et avec pour objectif donc, de réguler cette fois l'expérience sensorimotrice et émotionnelle. Donc ça, c'est descendant. Alors, j'ai essayé de faire concret, hein. Ce n'est pas toujours facile. J'ai essayé, exemple d'intervention thérapeutique de type ascendante. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, on va inviter le patient à pratiquer quotidiennement. Ça n'a aucun intérêt si ce sont des pratiques qui sont utilisées une fois par mois, hein. La répétition est indispensable pour que se développent les apprentissages. Donc, on va inviter le patient à pratiquer quelque chose qui s'apparente à de la sophrologie et qui vise à renforcer donc, la conscience du corps. Donc, intervention de type ascendante, on fait bouger le corps, on produit des impressions sensorielles et puis on essaye d'en prendre conscience. Donc, comment on fait ça concrètement? Petit 1, renforcement des impressions sensorielles par une activation intense. Ça veut dire quoi? Par exemple, je vais demander à mon patient de frapper le sol avec les pieds. Et puis, tout en frappant le sol avec les pieds, de se malaxer les mains, en y mettant toute la force dont il est capable. Et puis, tout en mobilisant les pieds et les mains, je contracte les muscles du front. Je contracte les paupières, les tempes, le nez, la zone des pommettes, les lèvres, la mâchoire, la zone... le pavillon des oreilles, le sommet du crâne, le cuir chevelu sur l'arrière, sans hésiter, je grimace. Je m'arrête. J'installe un état de conscience qui favorise la réceptivité, c'est-à-dire que mon rythme, le rythme de mon débit, ma prosodie va changer. Hein, je vais chercher à installer un léger état hypnotique. Et dans cet état, j'invite la personne à faire une lecture corporelle. Je l'invite à s'intéresser par la pensée aux sensations qui se produisent peut-être maintenant dans les orteils, du plus gros orteil au plus petit, la plante des pieds, les talons, sensations que je laisse remonter maintenant dans les chevilles qui se libèrent. Énergie peut-être, picotement, température que je laisse se propager dans les mollets en remontant, comme dans un buvard, qui se propage de proche en proche. Les tibias sur l'avant, articulation des genoux bientôt qui se libèrent à leur tour, etc. Je vais remonter jusqu'au sommet du crâne et je vais favoriser l'intégration, on pourrait dire la mémorisation de cette nouvelle conscience de mon corps en faisant remonter le niveau de vigilance par la respiration. 2 ou 3 inspirations, expirations plus toniques, vous voyez. Ça fait augmenter le niveau de vigilance et ça va favoriser l'intégration de l'information. Donc là, vous avez un principe qui peut être décliné dans toutes les pratiques psychocorporelles, hein, et qui est un peu le secret qui réside au cœur de la sophrologie au passage. Donc tout ça, c'est une intervention de type ascendante. On renforce les impressions sensorielles, on installe un état de conscience modifié qui favorise la réceptivité. Dans cet état, on procède à une lecture corporelle pour renforcer la conscience de mon corps, renforcer le schéma corporel, et puis pour que ça s'intègre, on laisse remonter le niveau de vigilance grâce à la respiration. Autre objectif, les habitudes de vie néfastes. À ne pas oublier, que certaines habitudes du patient dans son quotidien peuvent très bien entretenir les réseaux traumatiques. Qu'est-ce que ça peut être par exemple ? J'ai eu une mère très dévalorisante qui m'a un peu maltraité. Aujourd'hui, à l'âge adulte, elle m'appelle 3 fois par jour. C'est un problème pour mener une psychothérapie, parce que chaque fois que je vais décrocher le téléphone, entendre le son de sa voix, la façon dont elle me parle, sa conception de la vie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va activer les réseaux traumatiques et les renforcer. Donc en somme, tant que cette personne continue, reste dans cette habitude, dans ce comportement, eh bien, le meilleur thérapeute du monde ne pourra sans doute pas grand-chose pour elle. Donc, on va s'efforcer simplement de repérer éventuellement ces habitudes de vie néfastes, hein, pour essayer de les transformer, et puis pister aussi toutes les habitudes de vie et comportements qui sont émancipateurs, tout ce qui va dans le sens d'émotions positives en particulier, de relations épanouissantes. Bref, on va chercher à remplacer ces habitudes de vie néfastes et définir aussi des priorités nouvelles. Donc concrètement, ça passe par le dialogue, un travail en cabinet autour d'une grille d'analyse, hein, de ces comportements. Et puis on invite le patient à poursuivre le travail à domicile et on fait ensuite un débriefing en cabinet. On en arrive à la fin. Autre objectif concernant les états autonomiques. On va chercher à renforcer la conscience qu'a le patient de ces états autonomiques. Autonomiques pour système relatif au système nerveux autonome. Hein. Les anglo-saxons disent autonome tout simplement. Enfin, dans les traductions d'ouvrages anglo-saxons, on dit autonome, ce qui me semble un peu bizarre. Les états autonomes. État autonomique, donc les états de mon système nerveux autonome. Et on va enseigner aux patients les moyens de réguler chacun de ces états. Donc, exemple d'intervention thérapeutique en cabinet, hein, le patient est conduit par le thérapeute. On va lui demander d'essayer d'identifier les états qu'il expérimente dans diverses situations. Alors, quand est-ce que vous vous souvenez avoir ressenti un état de grand bien-être, un état peut-être d'hyperréactivité, un état d'effondrement atonique? Beaucoup de patients, en fait, passent de l'un à l'autre. Hein. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a aussi des profils, finalement, qu'on pourrait qualifier de profils alternants. Donc, quand est-ce que ça s'est passé? Où? Quand? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez avec qui? On va détailler les phénomènes à ce moment-là. Les pensées, les émotions, les sensations, les activités motrices qui accompagnaient chacun de ces états. L'objectif, c'est quoi? C'est de renforcer la conscience de ce qui se passe en moi. Les bouddhistes nous expliquent ça depuis probablement 2500 ans. Hein. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas se transformer tant qu'il n'a pas conscience de ce qui se passe en lui. Donc finalement, la première étape de toute transformation, eh bien, c'est de renforcer la conscience de mes pensées, émotions, sensations. C'est d'atteindre une forme de pleine conscience. Mais chez un individu traumatisé, cette capacité justement à la pleine conscience, elle est très altérée. Donc on cherche à la restaurer. Quand la personne est un petit peu plus consciente de ses états autonomiques, eh bien, on va identifier les déclencheurs. Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans cet état d'hyperréactivité, par exemple? Très intéressant. Et ensuite, on va essayer de mettre en face de chacun de ces états des techniques qui vont lui permettre de revenir à un état d'équilibre. Donc, on cherche à identifier les ressources qui ramènent le patient à un état d'équilibre, et puis également les ressources dans ce large, hein, les activités par exemple, qui l'aident à se maintenir dans cet état d'équilibre. L'état d'équilibre étant finalement cet état dans lequel le régulateur, le nerf vague ventral, est bien actif. Comme je vous l'expliquais, il module dans ce cas-là correctement les deux autres. Quelque chose à ne pas oublier. On parle de psychothérapie, hein, mais vous avez bien compris que la bonne psychothérapie, ça n'est pas seulement des interventions sur les phénomènes cognitifs. Pourquoi? Là, vous en avez notamment un exemple. Après un trauma, on observe souvent que des tensions se sont installées dans la musculature profonde. Il y a des groupes musculaires profonde, hein, donc ça signifie que la personne ne le ressent pas nécessairement. Il y a des groupes musculaires où le tonus est excessif. C'est un grand problème parce que le système nerveux autonome, qui observe en permanence tout ce qui se passe en moi, va interpréter cette tension qui se maintient comme le signe que la menace est toujours présente. Et donc, le système nerveux autonome va maintenir la personne dans un état défensif. Le plus souvent, un état d'hyperactivation sympathique, puisque ces tensions post-traumatiques dans la musculature profonde concernent plutôt les gens qui sont passés par un état de figement tonique. Vous voyez, un état comme ça de tension et d'immobilité avec un grand tonus musculaire. Donc, l'objectif, ça va être de détendre cette musculature profonde pour que la personne puisse sortir de cet état défensif, sans quoi il n'y aura pas d'évolution au niveau psychologique. Ces mécanismes physiologiques sont premiers, sont déterminants. Donc, exemple d'intervention thérapeutique, en cabinet, personnellement, j'utilise en cabinet le TRE, hein, le plus souvent. TRE, ça signifie Trauma Releasing Exercises, donc on pourrait traduire par exercice Trauma Releasing Exercises, exercice de relâchement des tensions musculaires post-traumatiques, quelque chose comme ça. Donc, le principe, c'est par des exercices corporels, c'est très tonique, hein, on va mettre sous tension et de façon prolongée la musculature profonde, en particulier un groupe musculaire qui s'appelle le psoas iliaque, qui part de la zone lombaire, qui passe sur l'avant du bassin pour rejoindre les adducteurs. Hein. On va mettre donc un ensemble de groupes musculaires sous tension, de façon assez prolongée, et puis ensuite, on allonge la personne au sol, dans une position particulière, et on va laisser la musculature se relâcher. Ça va se manifester le plus souvent par des tremblements involontaires. Chez certains, ça tremble un tout petit peu. Chez d'autres, ça tremble de la tête aux pieds, et parfois pendant des dizaines de minutes. Enfin, on ne les laisse pas trembler des dizaines de minutes parce que ce serait épuisant. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon système nerveux autonome reçoit un autre message. Ça y est, la musculature profonde s'est relâchée, ça signifie que la menace n'est plus présente, je te ramène dans un état d'équilibre avec un vague ventral bien actif. Et là, la porte est ouverte, si j'ose dire, à une évolution sur un plan psychologique globalement, émotionnel et cognitif. Mais tant que ces verrous musculaires se maintiennent, il y a très peu de... la probabilité est faible qu'une évolution profonde et durable se produise au niveau psychologique. Bon, et puis enfin, on va identifier et traiter les traumas. Alors, ça peut vous paraître bizarre, vous allez dire, ah bon, c'est seulement maintenant qu'on va identifier et traiter les traumas. Identifier, ça dépend des cas. Mais je vous rappelle que la personne qui est traumatisée vit dans la phobie des pensées, émotions, sensations dérivées du trauma, très souvent. Donc, il serait très contre-productif d'évoquer même simplement les traumas, parfois lors des premières séances. C'est au thérapeute d'en juger, mais parfois, c'est déjà beaucoup trop. Et ce serait parfois contre-productif dans la mesure où le fait de demander à la personne de parler de ses traumas va en quelque sorte ramener au présent une partie du contenu traumatique. Autrement dit, peu ou prou, la retraumatiser ou renforcer, en tous les cas, le trauma. Donc, il est souhaitable de ne pas aborder les traumas en début de thérapie, sinon peut-être en les nommant comme on mettrait un titre à un film. Vous voyez, une soirée qui finit mal. D'accord, 2015, rien de plus. Sujet suivant. Donc, il est même souhaitable de ne pas laisser le patient rentrer dans l'évocation détaillée de cette expérience traumatique, même si parfois il en aurait envie. Donc, identification et traitement des traumas. Donc, maintenant que vous avez compris quelques mécanismes, eh bien, vous comprendrez que la résolution du trauma, elle va reposer sur une réexpérimentation de l'expérience traumatique, mais chez un sujet qui maintenant à retrouver ses capacités d'intégration, à retrouver cette capacité de son cerveau à traiter donc toutes les composantes de l'expérience traumatique, à la fois sensorimotrice, émotionnelle et cognitive. Et donc, si on l'expose à nouveau aux souvenirs traumatiques avec ses nouvelles capacités ou ses capacités restaurées, eh bien, cette fois, on va produire dans la conscience cette expérience va produire dans la conscience une synthèse cohérente, chargée de sens et qui sera correctement située dans le temps. Donc voilà le principe de l'intervention thérapeutique. Hein. On va réexposer par l'imagination le patient au trauma. On peut faire ça de façon très douce et très progressive. Hein. De toute façon, là, je vous rappelle qu'on n'est plus au tout début de la thérapie. Et l'intervention du thérapeute, à ce moment-là, eh bien, va permettre d'exposer le patient aux souvenirs traumatiques en le maintenant dans la fenêtre de tolérance. C'est-à-dire qu'il ne va pas être entré dans un état d'hyperactivation ou d'hypoactivation. On va faire en sorte qu'il n'y entre pas. On va faire en sorte qu'il se maintienne dans la fenêtre de tolérance. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, quand on regarde les différentes approches thérapeutiques qui semblent obtenir de bons résultats dans le traitement du trauma, on retrouve quand même, sans doute, certains points communs. On peut faire ça avec des mouvements oculaires et des stimulations bilatérales comme on le fait en EMDR. On maintient la personne dans cette fenêtre de tolérance. On peut le faire aussi d'une autre façon, sans doute, avec l'EFT, en stimulant des points de terminaison de méridiens. On peut le faire, ça c'est en AIT, en thérapie intégrative avancée, on utilise les centres énergétiques, les chakras qu'on va parcourir en prononçant une phrase. On peut le faire aussi en hypnose, en rappelant une expérience plaisante hein, qu'on a associée à une sensation, à un geste. Hein. Je fais référence à ce qu'on appelle la désactivation d'ancre en hypnose. Bref, il semblerait que toutes ces techniques tirent leurs effets du fait qu'elles permettent d'exposer le patient aux souvenirs traumatiques en faisant en sorte qu'il n'entre pas dans un état ni d'hyper, ni d'hypoactivation autonomique. Et là, du coup, bah, comme sur le petit schéma, hein, le traitement de l'information est complet, global, à la fois cognitif, sensorimoteur, émotionnel. Et donc, qu'est-ce que ça produit? Bah, l'expérience qui était initialement traumatique, elle refait synthèse et sens dans la conscience et le trauma est résolu. Donc, conclusion rapide. Ben d'abord, on peut observer que les troubles sexuels, ils ne résultent pas nécessairement de traumas sexuels. Hein. Le schème d'attachement initial, c'est-à-dire la façon dont j'ai initié une relation d'attachement avec la mère ou le père, le plus souvent, hein. Ce schème d'attachement initial, ben, il va déterminer le plus souvent ma vie sexuelle et affective. Parce que c'est là que s'effectue, dans la relation à la mère le plus souvent, l'apprentissage finalement de toutes les ressources qui sont nécessaires à une vie sexuelle et affective harmonieuse. Je veux parler de la proximité avec la mère, par exemple, le père, de l'intimité, de la sécurité, c'est-à-dire une figure d'attachement qui a un comportement prévisible. Vous voyez, on acquiert là, dans ces premières années de la vie, toutes les ressources qui vont constituer le socle en fait, de notre vie affective et sexuelle ultérieure, la façon dont on va s'attacher aux autres. Une autre clé, eh bien, c'est cette phase de stabilisation que j'ai très succinctement évoquée, hein, c'est-à-dire qu'il faut que le système nerveux autonome soit à l'équilibre, et donc il faut des pratiques pour atteindre cet équilibre, sans quoi les capacités d'apprentissage du sujet sont très altérées. Il faut traiter les traumas, c'est absolument indispensable, mais, quand on a traité les traumas, on a desserré un frein à main. Le patient n'a pas encore fait le voyage. Autrement dit, je pense qu'il est très important de garder en tête que le traumatisme va se traduire par des troubles positifs, mais aussi des troubles négatifs, c'est-à-dire des défauts d'apprentissage. Il y a certaines choses que ma mère ne m'a pas apprises parce qu'elle n'était pas en capacité à me dispenser certains enseignements. Donc, ce n'est pas le fait que le trauma ait été résolu qui suffira à rattraper instantanément, si vous voulez, ces défauts d'apprentissage. Ça va prendre du temps, nécessairement. Ça va se faire en partie en cabinet, puisque dans le cadre sécurisant du cabinet, eh bien, on peut faire de bons apprentissages positifs, on peut l'espérer, mais aussi, bien sûr, hors cabinet. Et les deux dernières conditions du succès, de mon point de vue, bah, des pratiques répétées. On ne peut pas s'attendre à un changement profond et durable uniquement avec des séances égrenées dans le temps en cabinet. Ce n'est pas suffisant. On peut s'attendre à des soulagements soudains, ça existe. On peut s'attendre à des révélations, hein, parfois. Dans le cadre d'une séance en cabinet, on vit une expérience nouvelle. Imaginons, dans une séance d'hypnose, l'expérience d'un calme et d'une détente profonde que le patient n'a peut-être jamais connue. Donc, c'est un apprentissage important. Mais ça ne suffira pas à produire un changement profond et durable. Pour ça, il faut de la répétition. Donc, il faut enseigner aux patients des pratiques qu'il va répéter à domicile et éventuellement utiliser dans son quotidien, dans certaines circonstances. Et puis enfin, je crois qu'on peut dire aujourd'hui, en tous les cas quand on parle du traitement, encore une fois, du trauma, que les approches exclusivement verbales, on parle parfois de thérapie narrative, ne sont pas suffisantes pour traiter les traumas parce qu'elles sont impuissantes à transformer la mémoire traumatique qui est largement de nature procédurale, c'est-à-dire inconsciente. La mémoire procédurale, c'est celle qui s'active quand je nage, par exemple, hein, c'est automatique. Eh bien, il y a cette mémoire procédurale est beaucoup impliquée dans le trauma. Donc, avec une approche strictement verbale, on n'a pas beaucoup de chance d'atteindre la mémoire traumatique et de la transformer. Et puis, comme vous l'avez compris, dans tout ça, il y a du cognitif, de l'émotionnel, du sensorimoteur. Donc, il faut absolument que la démarche thérapeutique comporte des interventions et cognitives, et sensorimotrices, et émotionnelles, et pas l'une ou l'autre.